Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia, donc de la chaîne Comme Trois Pelotes. Vous pouvez me retrouver ici sur Instagram et sur Ravelry également. Ici, nous parlons essentiellement tricot, de la laine évidemment, et puis de temps en temps un petit peu d'autres activités et loisirs créatives comme le filage, comme la couture, comme le crochet, les choses comme ça. Voilà. Le plus régulier, c'est le tricot, parce que le reste, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai un futur projet là en tête pour du crochet. Donc j'espère pouvoir le mettre rapidement sur mon crochet, parce que c'est quelque chose pour l'été. Mais je vous en dirai plus très prochainement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes encours. Mais tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes ici qui s'abonnent sur cette chaîne. Un grand merci à vous de nous rejoindre. Ça me fait vraiment énormément plaisir. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Je tenais également à remercier tous les petits commentaires, tous les pouces en l'air, parce que je dois bien avouer que malgré tout, c'est quand même hyper motivant. Du partage, de voir que ça plaît et de voir on n'est pas tout seul en fait, parce que c'est vrai que moi je parle derrière une caméra et c'est vrai que quand il n'y a pas d'échange et qu'il n'y a pas d'interaction, des fois c'est un petit peu frustrant et puis on se dit bon est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Donc c'est vrai que ça fait vraiment bien plaisir de voir les pouces en l'air et puis d'avoir un petit commentaire, pas forcément des kilomètres, mais un petit mot, ça fait toujours bien plaisir. Donc, merci à vous de prendre le temps de le faire, ça me touche énormément. Aujourd'hui, je vous parle de mes deux encours principaux, donc mon châle et une nouveauté. Je n'ai pas touché ma couverture, je regarde là-bas parce qu'en fait, mon gros panier est juste là. Il faudrait que j'en fasse un petit peu, mais c'est vrai que là, je suis motivée pour faire d'autres choses. Donc, je l'oublie pas, ma couverture, surtout que j'ai très envie de tester le stick. Il me reste, pour celles qui n'auraient pas vu, pas ma dernière vidéo, parce que j'en parle pas, mais c'est celle d'avant ou celle d'avant, je ne sais plus. Il me reste encore la répétition d'un motif, on va dire, complet. Et ensuite, j'aurai les côtes. Et ensuite, je pourrai faire le stick et couper. Voilà, et je suis très impatiente de pouvoir le faire, mais j'ai que demain. Et malheureusement... Malheureusement, ce n'est pas ma priorité du moment. Voilà. Alors, je vous montre mon châle. Donc, mon châle Vagalam qui avance. Donc, hier, je vous ai montré. J'ai commencé la partie jersey qui se trouve au milieu. Donc, le châle Vagalam, pour celles qui ne le connaissent pas, j'essaie de vous mettre une petite photo. Malheureusement, sur cette photo, il est plié. Donc, on ne se rend pas bien compte. Du modèle. Donc on a, en fait ça fait un triangle, mais pas parfait, hein, c'est plutôt asymétrique, où on va monter d'une certaine manière, et une fois qu'on a atteint le nombre de mailles suffisant, on fait une manipulation pour créer ces vagues. Une fois qu'on a fait la répétition nécessaire de vagues, on fait que du jersey avec le mohair, et ensuite on repart dans l'autre sens, on refait des vagues équivalentes à ce qu'on a fait, et on repart en point mousse pour refermer le châle. Donc j'en ai déjà fait un l'année dernière, je l'ai adoré ce châle, et c'est celui que j'ai le plus porté l'hiver dernier. Donc j'ai décidé d'en faire un, et puis je voulais un tricot zéro cerveau pour aller au tricoté de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, je te fais des gros bisous. Et c'était vraiment chouette à ce moment, et je voulais pouvoir discuter et tricoter. Et je sais que dans les tricotés, pourtant j'en avais jamais fait, hein, c'était mon tout premier, je savais très bien que voilà, les choses compliquées, c'était même pas la peine, qu'il fallait vraiment quelque chose de facile. Donc le point mousse en aller-retour, c'était nickel, parce que même des mailles en verre, parfois, moi j'arrive à faire les mailles en verre sans regarder mes mains, bon, je voulais vraiment du simple. Donc, j'ai refait un châle Vagalam, comme je voulais en refaire un. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis, ça sera mon petit souvenir. Quand j'aurai fini, je l'ai commencé le jour du tricoté, quoi. Voilà. Alors, je vous le montre. Donc, par rapport, alors je vais dire à hier, mais vous allez voir cette vidéo que dans une semaine. Et donc,
Voilà, mais moi, pour moi, par rapport à hier, j'ai tricoté. Alors, j'ai remis normalement, ouais, j'ai remis le petit Progress Skipper là. Donc, j'ai fait ça depuis hier. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi 19 juin et il est 18h. Voilà, peut-être que je le dise quand même. Voilà, donc bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que j'ai quand même pas mal avancé. Et le rendu est plutôt joli. Donc je vous montre, enfin j'essaie de vous le montrer. Alors en entier ça va être compliqué. Mais voilà, attendez. Hop, voilà le début. Voilà. Et donc la partie vague. C'est vraiment une manipulation assez simple. Et qui a ce rendu, je trouve ça génial. Voilà. Et puis la partie ensuite mohair. Alors, le mohair, ça va, il pique pas. J'avais un petit peu peur que ça pique. En fait, non, ça va, ça pique pas. Donc c'est cool. Et puis j'ai mélangé de laine parce que le fil, alors pour ce modèle-là, normalement c'est de la suri ou type suri, donc une laine un petit peu plus épaisse. Et moi j'avais ça et je voulais l'utiliser. J'avais acheté ça au CSF de l'année dernière. Vous voyez? Et donc le fil est quand même très très fin. Hein, vous voyez? Donc un seul fil, ça n'aurait pas allé. Je voulais récupérer le fil de l'intérieur pour utiliser qu'une seule pelote, mais alors impossible de retrouver le truc là-dedans, hein. Franchement, impossible. Donc bah, j'ai utilisé mes deux pelotes et je me suis dit heureusement j'en ai pris deux, et donc je tricote ensemble. Et je craignais un petit peu, parce que comme c'est des couleurs chamarrées, je me suis dit tricoter ensemble, est-ce que ça va être joli, quoi. Donc sur la partie bas, je me suis dit bon, ça va, et puis même sur le jersey, c'est plutôt sympa. Et j'aime bien l'association des deux couleurs. C'est pas trop tranché. Alors, l'autre que j'avais fait, il était en bleu. Alors, c'était pas un bleu solide, hein. C'était entre terre et mer, je crois. Et deux, je ne sais plus qui. Si vous voulez, je remettrai la fiche Ravelry, mais je l'ai mis dans ma dernière vidéo. J'ai mis le lien. Donc, si vous voulez aller voir, je crois que je l'ai noté. Et du blanc. Donc c'était très tranché. Et là, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus proche. Et j'aime bien. Donc ça avance. C'est cool. Ça avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc bah, celui-là, j'ai pas d'objectif particulier. Je ne vais pas le porter maintenant. Donc clairement, j'ai quand même le temps. Et voilà, après, je veux pas que ça dure trop longtemps parce que moi, quand j'ai des encours qui durent trop longtemps, à un moment donné, ça va m'énerver et je vais le mettre de côté encore plus jusqu'à ce que, à un moment donné, soit je le démonte, soit je continue. Bon, vu que c'est du mohair, même pas la peine d'y penser de le démonter. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je veux pas trop le lâcher. Et ensuite, j'ai démarré un nouveau projet, comme promis. Alors, évidemment, je n'ai pas fini mon rang. Je vais le finir. Voilà. Donc, maintenant que j'ai terminé mon rang, je vais pouvoir vous montrer ça. Tout d'abord, je vais vous montrer la laine. Donc, je vous en avais parlé également la semaine dernière. Des laines, donc ça c'est la laine de au fil de Russe, c'est TB Cocon, couleur Cléopâtre 1, si je me trompe pas, et mélangée avec celle-ci qui est J'ai la pêche de Christelle Tricotte. Je les trouve trop jolies. Voilà. Et donc, c'est pour faire enfin mon Rokiti. Alors, pour celles qui n'auraient pas vu la semaine dernière, pourquoi Rokiti entre guillemets? Parce que je n'ai pas le patron du Rokiti et j'ai décidé que je ne l'achèterai pas parce que j'ai une multitude de patrons et que en soi, ce patron-là me semble assez simple. Ça se trouve, j'ai complètement me gaufré, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et je me suis dit, avec les patrons que j'ai déjà, je vais bien pouvoir en adapter un. Donc, je suis partie sur la Cumulus Blues.
qui a la même forme, qui est pareil à un pull en V avec un I-cord. Ce n'est pas les mêmes raglans, mais c'est un pull montage raglan. Sauf que sur le kitty, il y a des petits trous-trous, alors que sur la cumulus blouse, il n'y en a pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait changer? Si, ce qui change, et ce sur quoi j'ai un peu bloqué, c'est en fait le nombre de mailles. Parce que je vous explique, la cumulus blouse se tricote en double mohair. Et donc, double mohair, on est en 4,5. Sur le Rock Kitty, avec une figurine et un fil figurine et un fil mohair, 4,5, ce n'est pas la peine. Ça va être hyper déjaugé et ça ne va pas me plaire. Donc, je suis partie sur 3,75. Parce que en 4, même le 4 sur de la figurine, bon, ça passe, hein. Mais je ne voulais pas un truc trop, trop déjaugé quand même. Donc, je dis 3,75. Donc, j'ai regardé les tailles de la Cumulus Blues. Ce matin, donc je me suis réveillée à 5 h du matin, hein, faut quand même le savoir. Comme je n'arrivais plus à dormir, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans mon montage de ce projet. Et quand j'ai regardé et j'ai lu le nombre de mailles, j'ai commencé, alors je me suis plantée en fait. J'ai monté le nombre de mailles en pensant que c'était le nombre de mailles, mais c'était le nombre de centimètres de tour de poitrine. Donc ce n'était pas bon. Je démonte une première fois, j'en monte une deuxième fois. Le bon nombre de mailles et je me retrouve avec un truc tout riquiqui, mais vraiment tout riquiqui. Je dois avoir ça sur mes aiguilles. Bon, ok, c'est le haut du dos, pas un truc trop serré non plus. Le modèle il est fait pour être quand même un peu ample. Et puis je regardais les tailles suivantes dans la cumulus blouse et par rapport à la cumulus blouse, donc en 4,5 en fil double mohair, ça me paraissait pas correspondre à ce que j'avais besoin. Donc j'y suis allée un petit peu à l'instinct. J'ai rajouté 10 mailles au montage initial que j'ai éparpillé sur le début, puisque comme là on est sur un montage raglan, on commence en aller-retour jusqu'à ce que les pointes se rejoignent. Et donc pour le montage en aller-retour, on met les raglans, donc on place les devants, les manches et le dos. Et donc j'ai rajouté 2 mailles sur chaque manche et j'ai rajouté 6 mailles au dos. Je me suis dit, ça va, c'est pas trop déconnant. Et pour l'instant, ça me semble cohérent. Alors je vous montre. Voilà mon début. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que le point est plutôt pas mal. 3,5. J'aurais peut-être pu faire en 4, hein. Mais bon, 3,75. Je dis 3,5, mais non, c'est 3,75. Et j'ai créé donc mes petits trous. Voilà. Sur chaque raglan. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est bizarre là. Et voilà. Et pour l'instant, bah, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que je ferai les trou-trous sous les bras là, le long du pull? Je ne sais pas. On verra quand j'y serai. Pour l'instant, là où j'en suis, et donc c'est le haut du pull. Donc là, comme ça, je me dis c'est pas déconnant. Je m'en sors pas trop trop mal. Je dois pas être loin de la vérité. Et j'aime beaucoup le mélange. Je sais pas si vous allez voir. Alors en plus là, je vous ai dit, il est 18 h. Ah non, il est un peu plus que 18 h. Il est 7 h moins le quart. 7 h moins le quart, on a eu un orage pas possible et de la pluie encore. Donc là, j'ai pas la lumière, je ne suis pas obligée d'allumer la lumière. Mais bon, c'est quand même assez, assez, comment dire, gris. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis ravie de l'avoir démarré. Et puis en termes de nombre de rangs, parce que comme je n'ai pas le patron, voilà, mais je me suis débrouillée, j'ai réussi à trouver l'info. J'ai réussi à trouver l'info et de savoir le nombre de rangs qu'il faut faire par rayure. Donc là, la chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de faire les trous-trous et de faire l'augmentation là pour l'encolure.
Donc je suis très contente de l'avoir démarré. Donc ce soir, aujourd'hui, je n'ai pas trop touché le châle. Je l'ai fait un tout petit peu ce matin. Vraiment en me réveillant à 5-6 heures, là, enfin 5 heures, je ne me suis pas tout de suite mise sur le tricot. J'ai commencé que vers 6 heures. J'ai d'abord fait le châle, mais je crois que je ne vais pas le retoucher aujourd'hui. Je vais bosser ça. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pressée de voir le résultat. Voilà, donc je suis très contente. Et je pense que le mélange va vraiment être sympa. On a un peu de mal à s'en rendre compte là. Mais ça va être sympa. Et le mohair, pour le coup, il pique pas du tout. Alors, c'est la première fois que j'achète un mohair chez un teinturier. La plupart du temps, je prends de la kit silk. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement pour des raisons financières. Hein. Clairement, la kit silk reste quand même très abordable. Parce que la pelote, elle coûte 4,75 € chez Kalidou, si je ne me trompe pas. Pote de 50 grammes. Donc, si on mélange, si on multiplie par deux, ça fait 9 et quelques. 9,50. Un écheveau comme ça, c'est 20. 24, je crois, 24 euros. Il n'y a pas photo. Clairement, c'est sûr que rapport qualité-prix, la critique, elle reste quand même le meilleur compromis. Voilà. Mais j'avais envie de m'offrir cette belle laine. Ah, je suis en train de manger l'épaule du mohair. Et comme je faisais une commande chez Didier au fil de Russe, j'en ai profité. Voilà, pour me prendre une pelote. Voilà. Donc, bah, je vous tiens au courant dans la semaine. On va voir. Alors, mon objectif de la semaine. Eh bien, ce serait d'aller avec celui-ci au niveau de la séparation des manches. Ce serait pas mal. Voilà, sachant que j'aimerais quand même continuer aussi mon châle, je ne vais pas que faire ça. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai mon top node qui est en train de sécher. Je l'ai mis là, à l'instant, je l'ai mis au blocage. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que quand je l'ai mis dans l'eau, le rendu, enfin, ça reste du coton, hein, coton lin, donc c'est hyper lourd. Même à essorer et tout, c'est autre chose que de la laine. Hein. Donc j'espère qu'il ne va pas mettre trop longtemps à sécher. En plus, là, le temps est vraiment pas terrible. Alors, tout à l'heure, il faisait une chaleur. J'ai l'impression d'être dans un four. Hein. J'étais sur site client où il faisait bon. Je sors du site, je me suis pris un bouffée de chaleur là en sortant. C'était impressionnant, quoi. Donc voilà, ça va mieux, il fait plus frais, mais du coup, j'espère que mon petit top va quand même sécher. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, plusieurs personnes m'ont dit par rapport à mes longueurs de bretelles différentes, je ne suis pas la seule à qui ça arrivait. D'autres personnes qui ont tricoté ce top avaient aussi des différences entre les lanières. Et c'est vrai que de toute façon, on les noue. Donc, ça ne se verra pas à la fin. Donc, merci les filles pour votre réconfort. Mais voilà, c'est vrai que sur le moment, comme je faisais attention vraiment de que ce soit pareil, quand je les ai mis tout à côté et que j'ai vu qu'il y avait toutes les tailles, ça m'a. Je me dis, mais c'est quoi ce bazar, quoi? Bon, c'est vrai que dans la pratique, ça ne sera pas tellement gênant. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas toute seule et ça me rassure. Je ne vous ai pas dit ce que je portais. Alors, pour le coup, celui-là, il a quelques années. C'est un truc hyper simple que j'avais fait sans patron. C'est vraiment un petit top. Voilà. Très, très simple. Au point mousse. Rien de compliqué. Voilà. J'avais fait le même à ma maman en violet et je lui avais mis deux gros boutons en bois pour le décorer. Il était en pas rose, il était rose mauve un peu foncé. Et j'aime bien. Alors pourquoi? Pourtant il ne fait pas très froid, mais il est hyper large, donc j'ai pas chaud. Et donc nickel. C'est un petit patron personnel, hyper basique, mais qui fonctionne bien. Voilà. Bon, eh bien, je vais retourner au tricot et je vous dis à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je n'ai pas eu le temps de venir hier parce que j'étais sur un site et j'ai pas du tout eu le temps. Je suis rentrée, j'étais un peu vannée. La voiture, ça m'a exténuée, vraiment. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je reviendrai demain vous faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée de mon rekitia ma sauce. Ça a un petit peu avancé. Donc, je vous montre ça. C'est pas facile à montrer parce que du coup, en plus, mes aiguilles, elles sont un petit peu petites. Voilà.
Alors j'aime beaucoup les couleurs. Là, ça ressort noir. J'essaierai de faire une petite vidéo dans l'autre sens, caméra dans l'autre sens, à la lumière. Donc oui, bien sûr que c'est, il y a du noir, mais il y a un petit fil rose. Donc ça tend plutôt vers le mauve violet très 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 foncé. Voilà, et donc mes petits raglans à trou-trou. Voilà. Et bon, ça se passe bien. Alors, j'ai loupé à un moment donné un jeté. Je sais plus où c'est. Bon, ça se voit un petit peu. Mais honnêtement, flemme de démonter. Clairement. C'est là. Si vous allez bien voir. Là. Là, il y a un oubli là. On voit que les fils ne sont pas croisés. Et normalement, les fils se croisent là. Là, il y a un loupé là. Voilà. Mais bon, franchement, dans l'ensemble, je pense que ça ne se verra clairement pas. Et j'avais pas du tout envie de démonter. Alors, si je mets comme il est censé être. Ça fait ça. Alors j'espère que ça va aller parce que comme je vous ai expliqué, j'ai fait les mailles un peu à la voile égayenne, hein. Évidemment, je peux pas trop essayer, c'est un petit peu compliqué parce que mon câble est un peu petit. Serait quelque chose comme ça. Donc si je place, hop, la manche. Voilà, ça ferait ça. Ça me paraît pas mal. Je vous ai expliqué que j'étais partie sur la Cumulus Blues. Parce que c'est franchement la même construction. Hein. Sauf que la Cumulus Blues, c'est en 4,5 en double mohair. De toute façon, je vous en ai parlé lundi. Et que j'ai bidouillé à ma sauce. Voilà. Donc bah, j'espère que ça va le faire. Et puis franchement, des raglans comme ça, c'est très simple hein, à mettre en place. Enfin, c'est très simple. Quand on tricote pas mal, on sait faire ça. C'est vrai que pour les débutants, c'est compliqué et c'est normal. Hein. Faut apprendre, tout s'apprend. Mais quand on tricote depuis un moment, faire une bande de raglans comme ça, c'est voilà, c'est relativement simple à faire. Et ceux qui ne savent pas ou qui sont débutantes, vous allez y arriver. Parce que vous verrez qu'à force de faire. Bah, on y arrive en fait tout simplement. Hein. Voilà. Moi j'ai appris à tricoter. Alors pour celles qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes où je l'explique, j'ai appris avec ma grand-mère il y a donc fort longtemps quand j'étais enfant. Et puis j'ai laissé tomber. Enfin j'ai laissé tomber. Oui, je tricotais. J'ai pas tricoté après entre, je sais pas, mon fin d'adolescence, début de vie d'adulte, j'ai mes enfants, etc. Et c'est vrai que j'ai pratiquement pas tricoté. Et puis ça m'a repris là en 2018. En fait, je voulais apprendre le crochet, chose que je ne savais pas faire. J'ai appris avec des vidéos YouTube, voilà. Et puis je me suis remise à tricoter, voilà, tout simplement. Et donc, à force de faire, bah, on y arrive, hein. C'est clair qu'on y arrive. Le plus difficile, bien sûr, c'est d'avoir la dextérité des mailles en droit, des mailles envers. Une fois qu'on est très à l'aise, ça se passe plutôt bien. Bon, bien sûr, il y a des techniques assez compliquées, hein. Attention, hein. Il y a des dentelles hyper poussées, si on loupe une maille et tout, ça fout tout le bastringue en l'air, ça c'est clair. Mais voilà, ce genre de choses, c'est pas très compliqué. Donc je suis très contente, je trouve que ça va être super joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, alors quand je suis venue mardi, parce que j'ai pas mis de progressive skipper, mais je crois que j'étais là. Je devais être à la fin de la première bande de mohair. Donc j'ai fait une, deux, trois, j'ai entamé la quatrième. Quatrième bande. Donc d'ici la fin de la semaine, j'aimerais peut-être arriver comment dire, aux emmanchures pour mettre les manches de côté et rassembler en rond. C'est cool, je suis contente, ça avance bien quand même.
Bon, sachant qu'hier, j'ai pas beaucoup, je vous dis, j'ai pas tricoté énormément. Ce matin, j'ai eu beaucoup de travail. Bon, bah voilà. Et j'ai pas eu de réunion. Finalement, normalement, j'ai une réunion mardi matin qui n'a pas eu lieu. Donc, du coup, j'ai vaqué à toute autre chose. Et ben, évidemment, j'avais pas les mains libres. Hein. J'étais sur le PC. Voilà. Et je voulais vous montrer également. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai démarré au crochet. Hier soir, j'avais envie de faire du crochet. Et puis, j'avais repéré un petit short qui me plaisait bien. Donc, je me suis dit, allez, on essaye. Bon, attendez, parce que j'ai des nœuds dans mon schmilblick là. J'ai le fil qui est complètement emmêlé. Je défais ça quand même, c'est un peu pratique. Alors, le modèle que j'ai trouvé, c'est en laine acrylique. Comme il m'en reste un petit peu, j'ai pris. Je verrai après si ça peut s'adapter sur de la laine, vraiment. Après, comme c'est pour faire un short, peut-être qu'en laine, ça va se déformer un peu. Donc, à voir. Je m'en sors pas là avec. Je ne sais pas combien de minutes elle est arrivée alors que j'ai mis sur le short. Le début de mon short. Et donc en fait, il est dit qu'il faut mesurer son tour de hanche, monter le nombre de mailles en chaînette correspondant, et puis ensuite on commence un premier rang en bride. La laine. Alors, j'ai pas l'étiquette, elle est restée là-haut. C'est la Loli Loop, je crois, de Lydia Crochet Tricot. Voilà, c'est un gros cake de 150 grammes qui fait à 500 et quelques mètres. Je me souviens plus exactement. Donc, ça faisait un moment où j'avais cette plotte-là. J'avais fait mon pull en crochet d'ailleurs avec cette laine-là. Je vous l'ai déjà présenté dans les tons mauve-bleu. Et donc, je me suis dit, allez, on essaye. Donc, j'ai mis ça en route. On verra comment ça va se passer. C'est pareil, j'avais commencé, d'ailleurs, il est toujours en cours. Hein. J'ai commencé un petit sac pour faire un sac au crochet. J'ai pas tout à fait fini le fond. Mais voilà, je le fais quand j'ai envie. Et pour l'instant, j'ai pas envie, donc je le fais pas. Voilà, tout simplement. Mais j'avais envie de faire ce petit short. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne, si je vais au bout et si ça me convient, je vous en reparlerai. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas quoi en penser. J'aime bien le modèle de base présenté. On verra si j'arrive à faire quelque chose qui y ressemble. C'est le but, mais on verra. Ensuite, je vous montre mon top node qui est séché. Donc lavé, séché, bloqué, tout bien comme il faut. Hop, alors je n'ai pas coupé les fils encore. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, je viens d'aller le chercher hein, de l'étendoir, donc j'ai pas encore porté. Donc, j'essaierai de le mettre avant la fin de la semaine pour vous le montrer porté. Et c'est pareil, j'ai fait les nœuds, je ne sais pas si je les ai fait à bonne taille. On verra. Mais c'est vrai que là, comme ça fait un cacouf, un petit cafouillis. Hein, donc, j'ai fait des nœuds avec les branches de devant et de derrière, de chaque côté. Voilà. Alors, par rapport à ce top, j'ai eu des questions sur YouTube. Du coup, je vais les partager. Donc, j'ai Maya Maya. Coucou Maya Maya. Merci pour ton petit commentaire et d'être passé me voir. Alors, pour répondre à des questions, donc par rapport à la benne. Donc le tissu a l'air bien fluide, mais est-ce que le tissu est lourd, comme le coton? Alors, comme je ne l'ai pas porté, je ne peux pas dire, mais bon, j'ai utilisé 3 pelotes et demi, grosso modo, pelotes de 50 grammes, donc on est à moins de 200 grammes, on va dire. Ouais, peut-être 175 grammes. Donc c'est pas très lourd, mais ça pèse son poids pour un top, quand même, un petit peu. C'est pas énorme, mais voilà, c'est clairement pas un t-shirt, hein. C'est pas un débardeur, voilà. C'est un petit peu de poids, mais c'est pas non plus hyper lourd. Après, c'est vrai que moi j'ai fait une taille, je crois que c'est la taille S que j'ai faite, je me souviens plus. Si vous voulez vérifier, vous pouvez aller sur ma page Ravelry.
Donc voilà, j'ai que 3 pelotes et demie. C'est vrai que pour les tailles supérieures, forcément, j'utilise plus de pelotes et forcément, c'est un petit peu plus lourd. Voilà. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit hyper gênant à porter. Mais j'essaierai de penser de vous le redire quand je le porterai avant la fin de la semaine pour vous montrer ça. Ensuite, est-ce que le fil est sec ou plutôt doux? Alors non, il est plutôt doux. Moi qui n'aime pas trop justement les trucs un peu rêches ou qui est sensible aux laines piquantes, c'est doux. Franchement, elle est très agréable. Elle est vraiment très agréable. Alors, avant blocage ou après blocage? Alors, avant blocage, je trouve que la laine était peut-être plus fluide. En tout cas, c'est mon impression. Mais elle reste quand même. Voilà. On est vraiment quand même sur quelque chose d'assez fluide, hein, parce que le coton, c'est beaucoup plus raide. En coton, j'avais fait pas le pull, le top after beach de Atelier Emily l'année dernière. Il faut que je le refasse en quelque chose de plus fluide parce qu'il est vraiment très rêche ce top et je ne le porte pas vraiment en coton. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger quand même que le coton. Voilà. Même si j'ai trouvé que il était peut-être plus fluide avant le blocage, mais en fait, non, je pense que c'est qu'une impression. Parce que je pense qu'il est quand même pas mal. Il doit être agréable à porter. Donc, bah, après tout, je pourrais vous le passer là, hein. Je mets par-dessus mon top. Alors, j'ai fait les nœuds un peu à l'instinct. Donc, on va voir si ça va le faire ou pas. Alors, bien sûr, je n'ai pas coupé tous les bouts de. Vous voyez, au bout de mes trucs, j'ai encore laissé les fils. Donc, ça prend. Voilà, c'est trop serré. J'ai fait les nœuds trop serrés. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Déjà, ça va pas mal en plus avec ma petite jupette. Donc je ne les fais pas trop trop long. Voilà. Et donc là, ça remonte un petit peu, mais parce que j'ai trop serré là. Donc je vais essayer de desserrer un peu. Voilà, j'ai remis un petit peu les bretelles à meilleure taille. Ça me coupe un petit peu moins. Voilà. J'aurais presque pu faire une taille au-dessus. Bon, après, j'ai autre chose en dessous, mais voilà. Donc là, il faut que je coupe les petits fils, hein, parce que là, ça fait pas très beau. Hein. On a dit qu'il y a des trucs qui tombent partout, donc c'est pas très beau. Mais sinon, oui, puis j'ai le t-shirt en dessous qui est plus long. Mais sinon, ça fait ça. Voilà. Mais ça, je vous remontrer ça un petit peu mieux une prochaine fois, sans une autre tenue en dessous. Ça sera quand même mieux. Voilà, donc je crois que je l'ai fait en petite. Enfin, je vérifie, je ne sais plus la taille que j'ai fait. J'aurais presque pu faire une taille au-dessus parce que par contre, globalement, avec la laine, ça s'étend. Là, ça s'étend moins. Il y a moins de marge de manœuvre avec ce type de fil qu'avec de la laine, vraiment. Donc, c'est important de le prendre en compte parce que globalement, moi, je fais souvent de la taille S. Mais là, c'est presque un peu serré. Donc je resserrai avec en enlevant les épaisseurs là que j'ai, car même si j'ai pas 15 000 épaisseurs, mais voilà. Donc voilà mon petit top node. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a déjà pas mal de questions sur ma précédente vidéo. J'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Il faut que je me mette sur le PC pour y répondre parce que sur le téléphone, c'est vraiment pénible à faire. Donc, comme j'aime le faire, je vais le faire sur PC. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas immédiatement, mais je vais le faire. Alors, ensuite, je voulais vous parler de ma liste que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière. Donc, ma liste, ma petite liste de choses à faire. Voilà. Donc, je vais vous donner ça. Et je voudrais aussi vous montrer les laines associées, mais je ne vais pas forcément le faire aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps là. En fait, on est sur la pause déjeuner et j'ai des réunions encore cet après-midi, donc je peux pas tout sortir maintenant, mais je prendrai le temps de vous montrer ça peut-être avant la fin de ce vlog ou la semaine prochaine.
En tout cas, j'aimerais me refaire donc un autre top node en blanc. Et peut-être que du coup, je le ferai en taille avec une taille en plus. Possible. Ensuite, donc, j'ai la Cumulus Blues que je suis en train de faire, que je vous ai montré en rose. Ah non, la Cumulus Blues, je confonds parce que je suis sur le modèle Cumulus Blues, mais c'est pas la Cumulus Blues en tant que telle, c'est mon Rocket à ma sauce en mauvais pêche. Mais je vais me refaire un Cumulus Blues, parce que j'en ai déjà deux versions. Et là, j'aimerais me refaire avec un figurine et un mohair. Et j'ai déjà mis les laines de côté, donc j'aimerais vous les montrer. Ensuite, j'ai le pull pour ma fille en torsade en snow. Donc, j'ai la laine, j'ai le patron. En fait, là, j'ai le patron pour tout et les laines pour tout. Ensuite, j'ai le châle promenade en Écosse, que d'ailleurs Christelle de Rêver sa couleur a commencé cette semaine. Alors, franchement, trop top. Elle a démarré son châle qui est lié à Outlander. Et actuellement, elle est en vacances en Bretagne. Enfin, où il y a des menhirs là, comme il peut y avoir dans la série Outlander, et elle a démarré son châle dans ces conditions. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Je comprends qu'elle l'ait démarré maintenant. Voilà. J'aurais bien voulu tricoter en même temps que toi, Christelle, mais là, je ne peux pas parce que je ne vais pas l'avancer. Et en fait, à un moment donné, si j'ai trop de trucs que j'avance pas, ça m'énerve. Voilà. Donc, je le ferai un peu plus tard. En tout cas, trop top de l'avoir démarré dans ces conditions. Et en plus, tes laines sont magnifiques. Ensuite, je voudrais me faire un pull marine en bleu cette fois. Je crois que je vous en avais parlé. J'ai la laine, donc il faut que je vous montre. Ça sera, je pense, de la laine que j'ai de Les Chevaux Solidaires avec un mohair bleu que j'ai acheté au CSF en 2022. Ensuite, j'aimerais me faire un Like a Cloud à ma sauce également. Voilà, mohair fingering. Et j'aimerais le faire aussi en bleu. Alors du coup, en même temps que je vous parle, ça me fait penser que j'en ai deux de même couleur. Voilà, j'ai ma fille qui passe, qui essaie de se la jouer discretos, mais bon, elle sait que quand je filme, j'aime pas qu'elle soit à côté de moi. Tu veux venir faire coucou? Coucou. Voilà. Donc c'est mon artiste en herbe qui fait de la pyrograveur. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'en ai une juste à côté de moi qu'elle vient de démarrer hier. Je vous montre vite fait, du coup, petite parenthèse. Voilà. Voilà ce qu'elle est en train de faire actuellement. C'est trop beau. Merci d'ailleurs pour elle, tous les messages que vous avez laissés. Ça fait trop plaisir. Donc, je lui ai transmis. Elle était ravie. Donc déjà, elle adore ça. Et en plus de savoir que voilà, on trouve que c'est bien et que c'est joli, bah, ça la motive encore plus. Donc merci à vous. Donc pour revenir sur ma liste, effectivement, ça m'en fait deux en bleu. Donc on verra si je pars sur du bleu ou peut-être je ferai en blanc. Soit pull marine, soit le lac et cloth, je ferai peut-être en blanc. Parce qu'en plus, j'ai de la laine à teindre blanche, donc je peux tout à fait mettre ça. Idée à garder. J'ai une paire de chaussettes à faire pour mon beau-père. Et j'ai encore un autre truc, mais je ne vais pas le dire là parce que ma maman passe par là. Coucou ma petite maman. Et c'est des idées que j'ai pour elle. Et donc je ne vais pas le dire là parce que sinon elle va le savoir. Voilà. Donc voilà un petit peu ma liste actuelle. Donc j'ai du pain sur la planche. Et puis je voulais aussi parler un petit peu des podcasts que je regarde parce que c'est vrai que j'en parle pas trop, des chaînes que je suis. J'en ai noté quelques-unes, sachant que c'est pas que celle-ci, hein, j'en regarde pas mal. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est noter ce que je regarde pour vous les partager. En tout cas, celle que je regarde de manière incontournable, voilà. Alors, je regarde Eve de Atelier EV3. Alors, coucou Eve, je sais que tu passes me voir de temps en temps. Je te fais plein, plein de gros bisous. J'adore ces vidéos. Voilà. C'est vraiment des rendez-vous incontournable. Quand je vois que la vidéo sort, clac, je la mets tout de suite en commencer. Alors, je la lis pas forcément tout de suite parce que je suis pas forcément dispo, mais par contre je la démarre. Au moins elle est dans mon historique et j'ai pas à la chercher. Ça, j'aime beaucoup beaucoup ce que fait Eve et puis j'aime beaucoup aussi Célène. D'ailleurs, j'ai pas encore testé celle que j'ai achetée sur Malakoff, mais je veux un ouvrage parfait. Voilà. Donc ça va venir. Je regarde aussi Sophie Zen avec ses abeilles.
J'aime beaucoup la partie abeille, vraiment. J'adore. Voilà. Moi, j'adore les abeilles. J'aurais voulu en faire un petit peu d'apiculture, mais bon, il faut quand même de l'équipement, il faut du temps, etc. Et j'ai pas de temps et j'ai pas d'équipement. Voilà. Mais ça me passionne de suivre ces aventures auprès des ruches. Je regarde Christelle tricote toutes les semaines également. Elle me fait beaucoup rire. Vraiment. C'est une rigolote. Et puis ce qui est marrant, c'est que moi, je la suis déjà depuis longtemps, avant qu'elle fasse de la teinture. D'ailleurs, je me souviens, elle nous avait montré son stock à l'époque dans sa baignoire au premier étage. Ça m'avait fait beaucoup rire. Voilà. Coucou Christelle, si tu as le temps de passer par là, tu me fais bien rire. Bien sûr, Christelle de Rêver sa vie en couleur. Voilà, j'ai pas besoin de le dire également. C'est mon rendez-vous incontournable de vendredi, que je regarde souvent plusieurs fois parce que, comme les vidéos sont quand même assez longues, pareil, je mets dans ma liste des historiques et puis j'y reviens, voilà, dès que j'ai un moment, j'y reviens très régulièrement. J'aime beaucoup le peps et puis la montagne de choses à faire. Et puis avec sa frangine, elles sont trop rigolotes. Si vous ne connaissez pas, et je doute que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez aller les voir. Après, je regarde aussi As Natura, je regarde Kumquat, Lucie, je regarde Yarnflex, je regarde plein d'autres. Voilà. Donc j'en oublie, ça c'est sûr. Donc maintenant, ce que je vais essayer par semaine, je vais essayer de noter ce que je regarde dans la semaine en cours. Comme ça, je pourrais vous partager et peut-être qu'il y en a peut-être que vous n'allez pas connaître. Et ça permet de partager. Alors c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup beaucoup de temps, je regarde mes préférés en première forcément. Et après, bah, si j'ai du temps et que j'ai plus de vidéos à regarder, bah, je vais voir autre chose. Mais du coup, j'ai pas forcément beaucoup de nouveautés. Mais voilà. Bon, bah voilà, bah, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais aller manger et moi, je vous retrouve plus tard. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il est 13h environ. Je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis mercredi. Je suis venue vous voir mercredi. Et en fait, je pense que je vais faire ça. Je vais venir un jour sur deux. D'une part, parce que niveau boulot, c'est pas pratique tous les jours. Et puis, j'ai pas forcément des choses significatives à vous montrer. Donc, je ferai un jour sur deux. Comme ça, je pense que ce serait plus intéressant. Donc, là, vendredi. Et après, je reviendrai dimanche pour sortir la vidéo lundi matin. Je pense que là, je tiens quelque chose de pas mal. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, je vous montre un petit peu mes avancées. J'ai avancé un petit peu, donc ce que j'ai lancé au crochet, je vous ai montré ça mercredi. J'ai même pas mis dans Ravelry. Je sais plus, bah, je crois que j'ai commencé mercredi. Je verrai quand je vais faire le montage. J'ai commencé, mais j'en suis pas encore là. Et donc, j'ai commencé un petit short. On va voir ce que ça donne, hein. On y va un peu à l'instinct. Donc voilà, ça me paraît hyper large en fait. Mais bon, on verra. Voilà où j'en suis. Donc, c'est un début. Ça, ce sera l'arrière. On voit que j'aurai un petit... là, un petit... le milieu, en fait, là. Voilà. Donc, on va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, c'est un petit peu une expérience. La laine, je ne sais pas si ça va le faire. Peut-être que le coton aurait été un coton fin aurait été peut-être plus adapté. Je ne sais pas. Je vais voir. Si ça me plaît, je ferai peut-être plusieurs essais et je verrai. Si vous trouvez ça sympa, bah, je vous partagerai un tutoriel là-dessus. À voir. C'est une idée. Donc la laine, c'est de la Loli. J'ai toujours pas pris mon étiquette. Elle est là-haut. Loli Loop. Loli Loop. Je crois que c'est ça. Hein. Je corrigerai si toutefois je me suis trompée. Loli Loop de Lydia Crochet Tricot. Joli gradient. Voilà pour la partie crochet. Je suis contente de refaire un petit peu de crochet. Je fais ça généralement quand je me couche. Parce que c'est simple. Enfin, ça ne prend pas de place. C'est simple. C'est toujours la même. Là, c'est toujours le même point. Si vous voyez. C'est toujours le même point. C'est vraiment simple à faire, donc dans le lit, ça c'est parfait, avec une petite vidéo, c'est nickel. Ensuite, j'ai repris un petit peu ma chaussette que j'avais mis un petit peu au dodo. Donc j'en ai tricoté un petit peu, bon, j'ai pas fini, hein, évidemment. Quand j'étais venue vous voir, enfin quand je vous en ai parlé la dernière fois, j'avais pas démarré du tout
Je vais pas du tout démarrer le talon. Et là, ça y est, je l'ai démarré. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, hein, mais voilà. J'ai repris un petit peu la chaussette parce que bon bah j'aimerais bien la finir quand même. Surtout qu'il ne me reste pas grand-chose. Et pour celles qui ont suivi, la deuxième, fallait que je refasse. Je ne l'ai pas encore refait. Il hein, faut que je refasse le rabat. Donc c'était c'est le patron élastomère de Lisandro Rodin. Et donc là, je l'ai beaucoup trop serré. J'avais une autre paire similaire, pas la même laine, hein, mais c'était pareil, je passais pas de pied. Donc j'ai démonté et j'ai refait le rabat. Là, je vais le refaire, mais j'attends de finir. Je ne vais pas couper mon fil pour finir. Et je sais que j'aurai pas assez de fil, puisqu'il faut que je le détende. Donc voilà, la petite chaussette que je fais, que j'ai un petit peu fait là ces derniers jours. Voilà, dans mon petit sac que j'ai fait il y a déjà un moment. Petit sac à projet. Voilà. En plus, je l'ai fait à l'envers. J'ai mis le. Comme quoi, vous voyez, moi et la couture, c'était pas top top. Maintenant, je fais attention. Hein, mais là, tout est à l'envers. Hein. Voilà. Donc, je m'en fiche. C'est pour moi, donc je m'en fiche. Alors, j'ai pas touché mon châle vague à lame. Donc, ça sert à rien que je vous le montre. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'on m'a demandé quelle était la marque de. Alors, je peux vous montrer le mohair que j'utilise pour ça. Donc, c'est deux grosses pelotes là. Et donc, ce mohair, je l'ai acheté au CSF de 2022. Mes petites alarmes. Et donc. Il n'y a pas de marque. Il y a zéro marque. Alors, je n'ai pas les étiquettes là, mais je vous avais montré. Mais il n'y a aucune marque sur les étiquettes. Et voilà. Et c'est pareil, j'en avais acheté d'autres parce que ça, des grosses pelotes comme ça, j'en ai acheté 6. Donc, deux comme ça. Deux à peu près la même chose, mais plutôt bleues et deux blanches. Et puis, j'avais acheté du mohair en petite pelote. Extraordinaire. J'avais fait mon Trescao en verre avec. Mais vraiment incroyable. Ce mohair est super doux. Donc voilà, mais je n'ai pas de marque. Donc je sais pas. Si je retourne au CSF, j'essaierai de les retrouver s'ils sont encore là et de creuser un petit peu. Mais malheureusement, je n'ai pas du tout des coordonnées. Je ne sais pas. Je ne peux pas les retrouver en fait. Voilà. Et c'est bien dommage parce que franchement, elle est plutôt pas mal leur laine. Donc voilà pour le vague à lame que je n'ai pas touché donc. Celui que j'ai plus que j'ai plus travaillé, c'est mon Rokiti à ma sauce. Voilà, et je suis très contente parce que je l'ai vraiment pas mal avancé. Attendez, j'essaie de d'étaler un peu les mailles pour pouvoir vous montrer. C'est vrai que mon câble n'est pas très grand, donc c'est un peu serré. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai séparé les corps et les manches. Le corps et les manches. Donc c'était ce que je m'étais mis comme challenge pour la semaine. Je ne pensais pas que j'allais arriver aussi vite à le faire en fait. Alors j'ai un truc qui ne va pas là. Ah, je vois que j'ai fait un truc qui ne va pas du tout. J'ai fabriqué. J'ai mis un jeté en plein milieu là. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou j'ai loupé une maille. Oh là là, j'ai une maille qui a sauté. Ah oui, je le vois en même temps que je vous parle. Je vous montre, je vais la rattraper. Et voilà un petit peu ce que je viens de découvrir. Ah, vous ne le voyez pas. Ah, vous ne le voyez pas. J'ai rien pour vous montrer. Zut. Je vais pas trop tirer dessus en plus parce que je risque de perdre la maille. Je vais mettre un petit marqueur. Vous allez comme ça le voir. Parce que j'ai une maille, j'ai loupé une maille. Hop. Voilà. J'ai une maille qui s'est sauvée là. Donc du coup, ça m'a fait un trou. Vous voyez? Voilà. Super. Bah, c'est pas grave, je vais le rattraper. Pas très grave en soi.
Heureusement que je l'ai vu surtout. Donc voilà. Donc je suis hyper contente. Je l'ai bien avancé. Alors pour tout vous dire, j'y vais vraiment. Je navigue à vue là, hein, c'est le cas de le dire. J'ai juste pris le départ, je me suis servi d'un patron. Donc là, je me suis servi de la Cumulus Blues de petite nique que j'avais dans ma bibliothèque. J'en ai déjà fait deux d'ailleurs, de Cumulus Blues. Je trouve qu'ils tombent plutôt pas mal. Il y a aussi le Timeline qui ressemble beaucoup, mais je ne l'ai pas détaillé. Hein. Mais je suis partie sur l'autre. Donc je suis partie sur le nombre de mailles, parce que c'est surtout ça qu'il me fallait, sachant que je l'ai quand même modifié. Parce que dans la Cumulus Blues, il y a un nombre de mailles donné, sauf que c'est en 4,5, tricoté en mohair double. Là, moi, je suis en fingering et mohair simple, tricoté en 3,75. Donc, j'ai pris une taille de base et j'ai rajouté des mailles. Voilà. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Par rapport au nombre de mailles que j'ai sur les manches, par rapport au nombre de mailles que j'ai sur le corps, c'est franchement assez similaire de ce que j'ai habituellement. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le mette sur un grand câble parce que je voudrais l'essayer, voir quand même ce que ça donne. J'ai pas encore eu le temps de le faire parce que j'ai rejoint hier en rond et voir vraiment ce que ça donne. Et sous les manches, donc j'ai repris. Alors je crois que c'est pas tout à fait ça sur le Rokiti. Il me semble qu'il y a plusieurs rangs de jetés. Je crois qu'il y a un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, un truc comme ça. Ou deux jetés, une maille, deux jetés, je ne sais plus. Moi, j'ai repris ce qu'il y avait sur les raglans. Donc, j'ai refait. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, j'ai refait ce que j'ai sur les raglans. C'est difficile de montrer. Je me cache. Voilà. J'ai fait ça de chaque côté. Ah bah oui, sur le mur blanc. Voilà, il est peut-être un peu mieux. Faut juste que j'arrive à me cacher. Voilà. J'adore. Je l'adore. Vraiment. Et si j'arrive à faire ce que je veux, sans vraiment patron en fait, hein, je suis juste partie avec... un nombre de mailles de base que j'ai quand même modifié, et ben franchement, je serais fière de moi. Franchement. Et les couleurs, je l'adore. Regardez. Alors là, vous avez les bonnes couleurs. Donc, pour rappel, les laines, ça, c'est J'ai la pêche de Christelle Tricotte que j'avais acheté l'année dernière. C'était en coloris surprise quand elle a. Enfin, les coloris du mois. Quand elle a commencé à faire ça, je crois que c'était le deuxième mois. Et l'autre. C'est Tébé Cocon de Ophidorus, couleur Cléopâtre 1. Donc c'est noir violet. Je le trouve magnifique. Je l'adore. Et si ça se passe bien, c'est pas dit que j'en fasse pas un autre. Hein. Parce que franchement, je pense que ça va être hyper agréable, c'est hyper léger. Ça me plaît beaucoup. Déjà l'année dernière, je voulais en faire un et puis bah, je ne l'ai pas fait, j'ai peu le temps et puis voilà. Et là, je l'avais mis dans mes souhaits pour cette année et je suis vraiment contente de m'être lancée. Et en fait, c'est quand j'ai vu le combo d'Hélène, là, ça m'a sauté à la figure et je l'ai démarré. Donc le col sera avec un icorn. Je le ferai peut-être en violet, en mohair. Je sais pas. Je sais pas du tout le like, quoi. Je verrai. Mais voilà mon avancée. Je suis vraiment hyper contente de mon avancée et du rendu. Donc, je l'essaierai en mettant un câble plus grand et j'essaierai de filmer un petit peu et de vous incruster la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, il faut que je récupère ma bêtise. Alors, quand même, par rapport à la fois où je suis venue vous voir, mardi, non, mercredi, j'en étais là. C'est celui-là. L'autre, c'est ma maille perdue. J'en étais là. Donc, voilà ce que j'ai fait depuis mardi. Donc, hier et... Bah, ce matin, je n'y ai pas touché. Hein. Donc, c'est entre mercredi soir et jeudi. Ce matin, je n'ai pas touché une maille parce que bah, j'avais du boulot, évidemment. C'est la priorité quand même.
Et là, sur ma pause déjeuner, d'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle heure il est, il faudra peut-être que je m'active un petit peu. Oui, 13h08. J'ai déménagé ma chambre, je l'ai encore retournée parce que on va essayer de continuer un peu les travaux que j'ai démarrés en août l'année dernière. Voilà. Faut dire que j'ai vraiment eu la flemme et le manque d'envie de m'y mettre. Mais bon, là, ça y est, je sature d'avoir des murs dégueulasses. Et puis, j'aimerais pouvoir aussi retourner mes vidéos dans la chambre parce que bah, là, je suis dans le salon et à chaque fois, ça mobilise le salon. Et voilà. Et le salon est quand même principal. Pour aller à l'étage, il faut passer par le salon. Donc, bon, bref, j'aimerais que ce soit fait et que ça avance. Donc, ce midi, j'ai déménagé une partie de la chambre parce que j'ai une énorme armoire. Et pour tout vous dire, je vous raconte un peu ma vie de travaux. J'avais dans l'idée de ne pas bouger l'armoire. Voilà, je ne voulais pas bouger l'armoire parce qu'elle est énorme. Elle fait 2,20 m de haut et elle doit faire à peu près ouais, bien 2 mètres de large ou 2 mètres 50 de large. C'est vraiment un mastodonte. Et donc, je m'étais dit, on va tourner autour. Voilà, autour, le sol et tout, parce que je fais le sol, les murs, etc. Mon mari m'a dit, ça n'a pas la tête, non? Et puis le jour où on déménage la chambre, bah, on a encore le vieux papier peint et le vieux sol. Ce qui n'est pas faux, on est d'accord. Hein. Là, j'ai joué ma flemmarde de ouf. Bon, bon an mal an, je me dis, bon, effectivement, on va le faire. Donc là, j'ai redéménagé l'autre partie. C'est ça que la pièce est quand même grande, hein, elle fait à peu près 20 mètres carrés. Donc je peux facilement déplacer les meubles dans la pièce. Mais là, vider l'armoire, l'enfer, l'enfer. Donc ça, c'est pour ce soir. Et puis ce week-end, pas mal de. Voilà, on va vraiment s'activer sur le sujet. Donc, je pense que je ne vais pas beaucoup, beaucoup tricoter. Mais je reviendrai vous voir dimanche rapidement, quand même, pour vous montrer le peu que j'aurai fait. Voilà. Bon, et ben, moi, j'y retourne. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche, il est quasiment 18h. J'arrive à m'installer dehors, c'est un petit peu plus calme. On entend quand même une tondeuse, hein. Je sais pas, vous allez entendre, malgré que ce soit interdit dimanche, vive le voisinage. Voilà, il y en a toujours un qui tombe ici, c'est un truc de dingue. Bref, passons. Donc, je viens vous voir pour vous montrer un petit peu. La suite de vendredi. Alors j'ai pas fait énormément parce que on a vraiment attaqué les travaux à l'étage. Si ce fait que bah forcément j'ai eu beaucoup moins de temps entre ça et les courses, hein, le ménage, les trucs super chiants du week-end. Donc voilà, forcément j'ai pas pu faire forcément beaucoup de tricot, mais c'est pas grave. La pièce s'avance, donc c'est quand même cool. Bon, on est loin du résultat encore, hein. Mais ça avance. Il a fallu quand même démonter une armoire, donc ce que je vous ai dit, une très grosse armoire. On a les murs qui se disent, il n'y a plus de papier peint, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, il y a une prise qui a été déplacée. Donc, trou dans le mur, saignée, tac-tac, rebouchage au plâtre. Donc, ça, c'est cool. Mon mari a vraiment fait ça aux petits oignons. Et puis la fin de journée, j'attends qu'il fasse moins chaud parce que vraiment, là, cet après-midi, c'est monté à 33 degrés. Ça commence à être pas mal, on va dire. Donc pour s'activer, c'est juste pas possible. Là, je vous dis, il a encore, il est presque 18h, il fait super chaud, quoi. Donc je vais attendre encore un peu et puis j'irai décoller le reste au niveau des plinthes parce qu'on a en retiré les plinthes. Donc il y a tout le bas un petit peu à nettoyer pour préparer parce qu'après, c'est peinture. Voilà, je vous en reparlerai. Alors en tout cas, je voulais quand même vous montrer mon top node. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas tellement de recul, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Hop. Donc, ce petit top. Alors, je l'ai porté hier toute la journée. Là, je viens seulement de le mettre parce qu'il fait très chaud, donc je l'ai juste mis pour vous le montrer. Alors, la laine belle, ça picote un peu. Mais moi, je suis assez sensible, hein, sur la peau.
et je trouve qu'il picote un petit peu. C'est portable, c'est supportable, mais ça picote un petit peu. Voilà. Autre point un petit peu embêtant, c'est les bretelles qui n'arrêtent pas de tomber. Donc en fait, j'ai inversé les nœuds de bretelles pour que ça se maintienne un petit peu. Donc en fait, j'ai inversé les fils, hein. J'ai pris celui de droite et celui de gauche d'un côté et inversement. Voilà, et ça a l'air de tenir un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, ça va. Alors, je vous avais dit quand je l'avais essayé, il était très serré. Donc, j'ai, comment dire, desserré les nœuds, hein, pour qu'ils tombent un petit peu plus et pour ne pas être coupé là sous les selles, parce que ça, j'ai horreur de ça quand ça monte trop haut. Et là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai la belle en blanche pour en refaire un comme ça. Donc je vais le faire, pas tout de suite parce que je ne vais pas enchaîner les deux mêmes modèles, mais je le ferai parce que c'est quand même plutôt sympa. Je le ferai un petit peu plus long, je pense. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente. Au niveau de la taille, je pense aussi que je resterai sur la même taille parce que j'ai peur que si j'utilise une taille plus grande, que ça tombe un peu. Par contre, je fais attention quand on travaille les bonnets à ce que que je sois un peu plus souple, moi. C'est vrai que je tricote serré et du coup, je le sens. Voilà, c'est comme mes rabats de chaussettes qu'il faut que je démonte. Il faut que je me détende un peu quand je suis à ce niveau-là. Voilà, quand je travaille les bonnets. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis quand même contente. Ensuite, je vous montre, j'ai fait un petit peu de crochet sur mon short. Bon, je n'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai dû faire un rang depuis que je vous l'ai montré vendredi. Voilà, donc là en fait, où est-ce qu'il est mon tour? Il est là. Voilà, pour finir mon rang, il me reste ça. Donc on va voir, après la laine, c'est vrai que j'en aurais pas fait. J'avais fait un pull avec, je vous l'avais dit, un pull en crochet. Et je galère un peu, hein. La laine se dédouble. On verra le résultat. Et puis j'ai fait bien sûr mon rokiti à ma sauce. Donc je vous montre où j'en suis. Alors j'ai pas beaucoup avancé parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un truc très moche sous les bras. Donc j'ai refait les petits trous là et j'avais décalé. Donc j'ai démonté, c'est dans le mohair bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Et donc, j'ai pas beaucoup avancé. Alors j'ai oublié de mettre un progress skipper par rapport à vendredi, mais je crois que je devais être par là, sur cette rayure-là. Et c'est cette rayure-là, ouais, c'est celle-là. C'est sur celle-là que j'ai démonté le côté. Voilà. Donc là, bah, c'est mieux forcément. Donc voilà, bon, j'ai pas pu beaucoup tricoter, mais il avance. Il avance quand même. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. Voilà. Et je vous ai mis la petite vidéo quand je l'ai essayé. Je suis très contente. J'espère qu'il va se détendre un tout petit peu quand même au lavage, je pense. Parce que là, bah, il est parfait à la taille, hein. Mais je pense que ça se porte un petit peu ample quand même comme top. Et là, il est plutôt ajusté. Donc bon, après si c'est pas beaucoup, c'est pas très grave non plus, hein. Mais j'adore, je l'adore, je trouve trop trop beau. La couleur, j'adore. J'ai déjà une idée pour en faire un autre. Et voilà le côté. Alors il y en a où j'ai fait un truc pas terrible, pas très très beau. J'ai demandé à ma fille ce qu'elle en pensait. Elle me dit, mais je vois même pas ce qui va pas. Alors c'est de ce côté-là. Vous voyez dans la partie là, il y a un truc qui déconne. Vous voyez? Mais quand je l'ai montré à ma fille, elle me dit, mais de quoi tu parles? Je vois pas. Donc comme je dis que c'est sous le bras, bon, ça va pas être très très grave et j'avais pas envie de démonter, de redémonter. Voilà, bon, je n'ai toujours pas récupéré ma petite maille. Par contre, j'ai mis
Marqueur, où est-ce qu'il est? Il est là, avec ma petite maille récupérée, voilà. Et j'ai repris l'autre côté, donc je l'ai récupéré. Donc on voit le marqueur, mais hop. Vous voyez que là, il n'y a plus de trou. Voilà. Donc je vais, ça je le ferai à la fin. Voilà pour cette semaine. Bah, je suis très contente. J'ai réussi mon petit challenge de la semaine, puisque je m'étais mis comme objectif de séparer les manches du corps pour ce modèle-là. Chose que j'ai largement passée, donc c'est cool. Voilà. Donc on va continuer ça tranquillement. Et puis bah, pour cette fin de journée, je vais aller au frais, parce que dehors il fait vraiment très chaud. Et dans la maison, il fait nettement moins chaud. On a bien 10 degrés de moins. Donc je vais retourner au frais et puis je vais aller m'occuper de l'étage. Et puis la semaine prochaine, on repartira pour de nouvelles aventures que je partagerai avec joie avec vous. Et je vous embrasse fort. Profitez bien de votre semaine. Tricotez bien, faites-vous plaisir et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!